Et la vérité, à son même amour, toi, te résistant à louer.
Il opérera ta vie, le Père. Il opérera.
qui aime le Seigneur Jésus. Alléluia. On va voir ce soir. C'est la famille-là qui n'aime pas les autres. Alléluia. On va voir ce soir. Regardez, maman a élu son Dieu. Je parle à maman Anne. Regardez, maman a élu son Dieu. Thank you.
Bye.
Yeah.
Acclamons puissamment le roi de roi.
Alléluia. Tu vois là. Moi, je pensais que tu allais prier dans tous les sens. Moi, je pensais que tu allais prier pour le roi des rois. Moi, je pensais que tu allais prier la gloire de ton passé. Alléluia. Amen. 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 Vous avez acclamé pour vous-même. Moi, je ne comprends pas. Tu es venu ce soir pour rencontrer Jésus-Christ. Et cette acclamation que tu viens de faire, peut-être que c'est pour te pratiquer. Mais je sais que... C'est pour toi. Ça n'est pas pour Jésus. Alléluia. Amen. Ça n'est pour toi-même. Hein. Donc... Je t'en prie. Je t'ai dit d'acclamer Jésus-Christ. Et tu t'as... Non, attends, ne te presse pas. Amen. Il ne faut pas te presser. Quand tu te presses, acclame doucement. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Qui t'a donné la vie. Pendant que d'autres sont couchés à l'hôpital, toi qui es ici. Pendant que d'autres sont en train de souffrir dans la prison, toi qui es ici, dans sa présence. Je te demande d'acclamer Jésus. Quand je vais donner le Seigneur, il faut acclamer comme tu n'as jamais. Quand je vais donner le signal, il faut acclamer puissamment. Il faut que le trône de l'Éternel tremble pendant que tu seras en train d'acclamer. Et pendant que tu seras en train d'acclamer, les vainqueurs viennent, vont se mettre à genoux, vont chuter leur tête. Et tout le ciel, les anges, nos compagnons de service, eux aussi vont se mettre ensemble avec nous pour acclamer puissamment pour le roi des rois. Alléluia. Alors sache que, certes, tu vois ce qui se passe ici comme de l'amusement, mais je te dis, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Car vois-tu, le Seigneur Jésus est venu dans une crèche. Quoi qu'il est le roi des rois, il a choisi des choses simples. Voilà pourquoi il dit, soyez simple comme un poulon et prudent comme des serpents. Amen. 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 Donc maintenant, à toi, tu vas pousser des cris de joie. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus puissamment. Alléluia. Amen. Un, deux, trois, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prendre une position du ministère. Car lui ne peut rentrer dans la présence du Seigneur en disant qu'il est saint. Nul n'est saint. Il n'y a qu'un seul saint. Voilà pourquoi celui qui est digne d'ouvrir le sceau, le livre, c'est celui-là même qui est la lumière. Et c'est celui-là même qui est descendu sur terre en chair et en os pour nous sauver. Et comme il t'a permis d'être prudent, tu vas t'humilier simplement et tu vas lui parler ce soir de fils à père et de fille à père pour te repentir, pour demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait qui l'a blessé. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un. Tu n'es pas venu admirer l'atmosphère. Mais tu es venu rencontrer le Seigneur Jésus. Et il est là. Et pendant qu'il est là, toi tu regardes de gauche à droite. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite. Ce n'est pas un spectacle. Nous ne sommes pas au cinéma. Nous sommes dans la présence de Jésus. Nous sommes dans la présence du roi de gloire. Chaque instant compte. Et chaque chose qui sont faites ont de la valeur. Alléluia. Car tout est filmé. Ta vie est filmée. Chaque moment compte. Voilà pourquoi ne néglige pas ce moment. Alléluia. Ne sois pas distraite. Ne sois pas distraite. Ne sois pas distrait.
Maintenant, tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Le pardon se trouve près de l'Éternel, afin que tous le craignent. Aujourd'hui même, tu vas demander pardon au Seigneur. Demande pardon à Jésus-Christ. Regarde à tes pensées. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. À chaque instant, tu dis être pieux. Tu dis être pieuse. Mais tu as tout le temps de mauvaises pensées. Et comme il dit, nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le jour. Toi ici présent, saisis cette occasion. C'est le temps de pleurer pour tes péchés. Et repens-toi sincèrement. Car après la mort, bien aimé, cela n'a plus de vie. Alléluia. Après la mort, bien aimé, c'est fini. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir seul peuple. Bien aimé, après la mort, c'est fini. C'est si pas que tu dois te repentir. C'est si pas que tu dois faire la paix avec ton Créateur. Repens-toi. C'est si pas que tu dois te réconcilier avec Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur. Après la mort, bien aimé, la repentance n'a plus de valeur. Après la mort, bien aimé, les prières n'ont plus de valeur. Après la mort, bien aimé, les pleurs n'ont plus de valeur. Après la mort, les lamentations n'ont plus de valeur. C'est ici pas. C'est à ce soir. C'est lorsque tu es encore vivant. Lorsque tu as encore le sang de vie, lorsque le Seigneur t'accorde encore le privilège, lorsque il t'accorde encore la grâce, c'est l'heure. C'est le moment de t'humilier. C'est le moment, bien aimé, de t'humilier. C'est le moment de t'humilier devant Jésus-Christ. C'est le moment de te rabaisser devant Jésus-Christ. C'est le moment d'enlever ton orgueil. C'est le moment de t'oublier devant Jésus-Christ. C'est le moment d'oublier tes mois. D'oublier, bien aimé, ton orgueil, ton arrogance, la colère qui te fatigue. Bien aimé, c'est le moment. Mais si l'ennemi a quelque chose en toi, bien aimé,
moment où tu as eu apporté des choses et tu n'as pas rendu cela, c'est encore dans tes pensées, c'est encore dans ta tête. En ce moment, pendant que je suis en train de parler, ça te pique dans ta tête. Ça pique. Et tu n'as pas rendu cela. Il faut demander pardon au Seigneur. Demande pardon. Si la chose est là, après ta repentance, après ce culte, tu vas et puis tu remets. Fais de la restitution. Mais si la chose, tu n'as pas la capacité de rendre cela, si la personne n'est plus près de toi, est très éloignée, saisis ce moment, demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Réponds-toi maintenant. Réponds-toi. Toujours. Fais comme ça. Chaque comportement. Mais ton comportement ne change pas. Tu te mets toujours dans ton état. Et tu dis encore être serviteur, être servante de Dieu. Tu regardes à ton titre, à la position que tu occupes devant le Seigneur. Tu n'as pas une fonction de position. Tu n'as pas une fonction de titre. Voilà pourquoi en enfer, il y a les pasteurs. On n'a plus d'accueil. Ils se sont laissés emporter. Aujourd'hui, en enfer, il n'y a pas que les prostituées. En enfer, il n'y a pas que des païens. En enfer, il n'y a pas que des débauchés. En enfer, il y a même ceux qui ont abandonné l'alliance du Seigneur. Et cela écœure le Seigneur. Cela le blesse de voir ses enfants être tombés en enfer à cause de l'orgueil, à cause du manque de repentance. Parce qu'ils ont négligé à chaque fois le temps de repentance qui leur est donné. Alors toi, qui es ici, saisis ce moment et repens-toi. Demande pardon au Seigneur pour le mensonge. Demande pardon au Seigneur pour la méchanceté. Demande pardon au Seigneur pour la murmure. Encore qu'il y a les murmures au lèvres. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Repends-toi des vols. Repends-toi des injures. Demande pardon au Seigneur. Repends-toi de la cave convoitise autant que moi. Tu convoites encore les jeunes sœurs. Tu combattes encore les jeunes frères. Rempli d'inquiétude, tu t'es laissé emporter. Le Seigneur dit, l'œil est la lampe du corps. Et ton œil, tu dois t'éclairer. Tu te laisses emporter encore dans les vanités du monde. À regarder les choses que les païens cherchent. Toi, qui es fils, qui es fille de Dieu, qui es la primaire de ses yeux, à qui il a déjà tout offert, tout donné, mais tu regardes encore le monde. Répands-toi. Demande pardon, Seigneur. Réponds-toi pour ton comportement. Réponds-toi. Demande pardon, Seigneur, pour ton comportement. Réponds-toi. Ça fait combien de fois, combien de temps tu es dans sa présence? Combien de fois, combien de temps tu as accepté la sainte doctrine? Mais tu demeures encore. Toujours. Dans ton vomi. Ce que tu as vomi, comme le chien retourne à son vomi. Sans cesse à ton vomi. Aujourd'hui, c'est le moment de créer une séparation. En te répandant sincèrement et en abandonnant ce que tu fais. La masturbation que tu pratiques dans le secret. Le Seigneur t'a fait peur. Il faut te repentir. Il faut demander pardon au Seigneur. Demande pardon. Pour la masturbation. Et ferme pas la bouche, bien-aimé. Demande pardon, Seigneur. Ne garde pas le silence, je t'en supplie. Tu seul est capable de te libérer de cela. Ne garde pas le silence. Seulement si tu abandonnes, si tu décides de faire le pas, par ta repentance, va briser les chaînes. Par ta repentance, tu vas dévier ce qui t'entrave, ce qui te lie encore, aujourd'hui même. En sois sincère. Demande pardon, Seigneur.
Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, tiens debout. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne. Le premier commandement du Seigneur est que quoi? Qui connaît le premier commandement du Seigneur? Un homme. Un homme. Qui connaît le premier commandement du Seigneur? Le premier commandement du Seigneur Jésus-Christ. Un homme. Moi. Pour répondre. Alléluia. Le premier commandement du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi. Le premier commandement du Seigneur Jésus, c'est aimez-nous les uns et les autres. Alléluia. Qui veut compléter? Le premier commandement du Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de tout ton cœur. De tout ton âme. Et on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Le premier commandement du Seigneur. C'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Gloire à Jésus. Le second qui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu veut dire quoi? Veut dire garder ses commandements. Le livre de Jean 14, 15 nous dit quoi? Que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc celui qui prétend aimer Dieu doit d'abord garder ses commandements. Amen. Celui qui ne garde pas les commandements du Seigneur Jésus-Christ ne l'aime pas. C'est clair? Amen. Et le Seigneur va plus loin dans le livre de 1 Jean 5, verset 3, il est écrit quoi? Que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas durs, ce n'est pas pénible. Amen. Parce que plusieurs disent des fois que personne ne peut respecter la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu n'est pas due. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas due. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, que le Seigneur t'a fait la grâce de venir dans la Sainte Doctrine. De venir là où il se manifeste puissamment. Tu es sur le chemin de la vérité. Tu es sur le chemin qui est étroit et resserré. Amen. Amen. Donc, chaque occasion que le Seigneur te donne, il faut l'attraper dur. Il faut l'attraper Dieu. Il ne faut pas négliger la présence du Seigneur. Parce que là où deux ou trois sens sont assemblés en son nom, il est au milieu. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais négliger la présence du Seigneur. Là où le nom de Jésus est invoqué, il est là. Si, même si vous êtes deux. Là où tu commences à chanter les chants d'adoration, de louange, le Seigneur est présent. Le Seigneur Jésus-Christ est présent. C'est pourquoi il faut prendre l'œuvre du Seigneur au sérieux. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut prendre toi-même ta vie, ton âme au sérieux. Alléluia. Amen. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi quand quelqu'un meurt, quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, lorsqu'il meurt, ses parents pleurent. Il n'a pas Jésus, il est mort. Ses parents aussi n'ont pas Jésus. Pourquoi ils pleurent? Parce que quoi? Parce que les parents sont charnels et la personne qui est mort aussi, il est charnel. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce qui est cher pleure pour la chair. Amen. Ce qui est cher pleure pour la chair. Les paroles sont charnelles. Donc il pleure pour le corps de la personne, mais il ne pleure pas pour l'âme de la personne. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque quelqu'un meurt et que il y a un enfant de Dieu, un véritable chrétien dans la famille, amen, qui est spirituel, il ne va pas pleurer pour le corps, mais il va pleurer pour l'âme. Est-ce que la personne qui est morte là, est-ce qu'il connaît Jésus? Non. Est-ce qu'il connaît Jésus? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi pendant que tu es en vie, tu dois tout faire pour que le jour là ne te surprend pas. Ce jour de ténèbres là, pour ne pas que ce jour te surprenne. Gloire à Jésus. Amen. Tu comprends? Amen. Il y a un jour de fureur pour nous tous. Amen. Il y a un jour de ténèbres pour nous tous. Personne ne va échapper à la mort. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Mais c'est dans quel état que la mort va te trouver? C'est cette question qu'il faut te poser. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec l'œuvre de Dieu. Parce que tout ce que tu es en train de faire sur la terre là, tu t'es dépouillé, tu dis tu suis Jésus, non? Les démons te voient. Ils te voient. Il ne faut pas jouer avec l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas jouer avec ton âme. Il ne faut jamais jouer avec ton âme. Lorsqu'on parle de la repentance, il faut te repentir sincèrement. Parce que les secondes qui vont suivre là ne t'appartiennent pas. Les temps qui vont suivre ne t'appartiennent jamais. Ce n'est pas pour toi. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, c'est le jugement. Il y a des gens qui disent que non, que lorsqu'un homme meurt, il va se retrouver dans un autre pays. C'est faux. Lorsqu'un homme meurt là, c'est fini. C'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans cette journée, plusieurs sont morts. Hein. Plusieurs sont partis. Même chez moi à la maison. J'ai perdu un parent aujourd'hui. Amen. Amen. Hey. Hier, il était en bonne santé. Hier, il était là. Je l'ai salué, je suis parti au travail. Aujourd'hui, je suis venu là. J'étais parti chez papa à la maison. Puis, je suis rentré à la maison vers les 23h. Il était là, il dormait tranquillement. Mais matin, là, on l'a trouvé mort. Il est mort. C'est fini pour lui. Pour lui, est fini. Amen. Amen. Pour lui, est fini, bien aimé. Lui ne connaît son jour. C'est pourquoi, pendant que tu as encore le temps là, s'il te plaît, on doit prendre soin de notre vie. On ne doit pas jouer avec notre vie. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, Satan nous voit, ça l'énerve. C'est pourquoi il travaille dur à 1000 à l'heure pour envoyer le maximum des âmes en enfer. Est-ce que tu vas te laisser? Il faut te forcer. Le Seigneur dit, efforcez-vous pour rentrer dans la porte étroite. Car l'âge est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui passent par là. Regardez le monde. Le monde aujourd'hui court à la vanité. Le monde aujourd'hui court à la chair. Court à des choses qui périssent. Le monde court à des choses, à la vanité, à la pourriture. Toi, bien-aimé, c'est pour que cela te donne des conseils. Pendant que le monde court à la vanité, là, toi, il faut courir pour les choses spirituelles. C'est pourquoi le Seigneur dit, amassez-vous aux choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce qu'on voit là, ça va nous suivre après. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne court pas derrière l'argent, mais c'est l'argent qui court derrière nous. Un véritable enfant de Dieu, bien-aimé, ne court pas derrière les belles choses de ce monde. Parce que ce monde n'est que passager. Alléluia. Amen. Ces choses vont rester si bas. La preuve en est qu'il y a des milliardaires qui sont morts dans ce pays. Mais ils sont venus réduits, ils sont partis réduits. Ils sont partis nus. Ils sont venus nus, ils sont repartis nus.
Bien aimé, pendant qu'on a le temps, pendant que Jésus nous accorde encore sa grâce, son amour, pendant que tu es encore en bonne santé, pendant que tu es encore en pleine forme, s'il te plaît, il ne faut pas négliger même une minute de ta vie. Parce que la vie ne dépend pas de toi. La preuve en est que, avant de te coucher là, tu regardes l'heure. À l'heure que tu dors là, tu ne vois pas dedans. Qui voit? Tu dis bon, viens me coucher à 22h. Tu te couches. À l'heure que tu dors là, tu ne vois pas dedans. Amen. Amen. Ça veut dire que cela ne dépend pas de toi. Et avant de te réveiller aussi, tu ne regardes pas l'heure. Mais tu te réveilles d'abord avant de regarder l'heure. Amen. Amen. Ça veut dire que la vie ne dépend pas de nous. Notre vie a un propriétaire. Et c'est Jésus-Christ. Il nous a prêté ce petit temps sur la terre. Et plusieurs sont orgueilleux. Plusieurs, on ne peut pas les parler. Plusieurs, on ne peut pas marcher sur eux. Plusieurs, on ne peut pas leur donner des conseils. Bien-aimé, mais tu vas aller où avec ça? Ça ne rentre pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de l'humilité, de rester humble. De rester humble. Mais d'être prudent comme le serpent et d'être simple comme les colombes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Mais le Seigneur ne te demande pas de te méfier de ton frère. Il ne te demande pas de te méfier de ta soeur. Bon, elle m'a fait ça autrefois. Moi, je ne parle plus avec lui. Moi, je ne parle plus avec elle. Moi, je reste à l'écart. Moi, je ne veux pas de problème. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Le Seigneur ne nous a jamais demandé ça. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit, aime ton frère comme toi-même. Aime ta soeur comme toi-même. De la manière toi-même tu t'aimes là, il faut aimer ton frère comme ça. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ta soeur, fais-le pour ton frère. C'est ça qu'on appelle l'amour. Et si cela règne au milieu de nous, il n'y a pas sorcier qui peut rentrer ici. Amen. Il n'y a pas sorcier qui peut rentrer ici. Parce qu'il y a l'attente. Là où il y a l'amour, démons n'aiment pas là. Parce que les démons là n'aiment pas l'amour. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit recherchez la paix de tous et la sanctification. Sans quoi nul ne verra Dieu. Le Seigneur dit dans Matthieu 5, 8 que heureux ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Mais si tu te méfies de ta soeur, si tu te méfies de ton frère, est-ce que là, tu es un cœur pur? Il y a quelque chose dans ton cœur que tu dois enlever. La méfiance est un péché. Amen. La méfiance est un péché. Donc, si tu es là, tu dis non, moi je ne veux pas de problème. Ça commence à moi, je ne parle pas avec mon frère, je ne parle pas avec ma soeur. Bien-aimé, tu ne parles pas avec lui aujourd'hui. Mais tu es ensemble. Si tu tombes, si le Seigneur t'arrache ton âme, c'est celui que tu n'aimes pas là, c'est lui qui va s'occuper de toi. C'est lui qui va s'occuper de toi. Mais pourquoi on ne doit pas manifester l'amour? Pourquoi, bien-aimé, on doit se revoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On doit marcher comme le Seigneur a marché. Même celui qui est dans le monde et qui ne connaît pas Jésus, là, avant de l'aborder pour lui parler de Jésus, il y a une manière de le faire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une manière de faire pour ne pas blesser ce dernier.
Parce que c'est toi que le Seigneur Jésus-Christ a mandaté pour aller gagner son âme. Pour aller le gagner pour venir. Mais si par ton attitude et par ce qui sort de ta bouche l'a blessé, le Seigneur va te demander des comptes. Ce n'est pas de l'amour. Le Seigneur va te demander des comptes. Si le Seigneur t'a envoyé en ce lieu, c'est pour te préparer pour aller gagner ta famille. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, comment tu peux aller gagner ta famille? C'est-à-dire, toi même ta famille là, elle ne t'intéresse pas. Tu ne pries pas pour elle. Ta famille ne t'intéresse pas. Si mon papa veut là, il n'a qu'à aller en enfer. Si maman veut là, elle n'a qu'à aller en enfer. Ce n'est pas mon problème. C'est que si, moi, il sait que je serai sauvé. Hein? Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à l'amour. Ce n'est pas après la mort que nous allons nous aimer. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, bien-aimé, c'est de l'hypocrisie. Tu vas voir que après la mort, là, c'est là qu'ils vont commencer à pleurer. Oh, il est parti, il est mort, il est parti, il est mort. Et pendant son vivant, il s'est pleuré pour lui. Pendant son vivant, il t'a demandé 500, tu as dit tu n'as pas. Oh, tu as l'âme dans ta bouche. Gloire à Jésus. Les gens vont pleurer, mais personne ne va aller avec toi. Tu seras seul dans ton cercueil. Tu seras seul devant Jésus. Personne n'ira avec toi. Les gens vont pleurer. Les gens vont dire, mais celui-là, il était bien. Celle-là, il était bien. Mais ils ne vont pas aller avec toi. Alléluia. Amen. Dans nos villages, là, il y a quelque chose qui s'est passé. À longtemps, hein? Un jeune, sa mère est décédée, non? On partait en récemment. Il a commencé à pleurer. Il s'est lamenté. Oh, il ne faut pas volontaire. Jusqu'à il veut tomber dans tout, là. Il veut rentrer dedans. Ils ont lutté du temps quand ils l'ont fait sortir. Il est rentré encore. On dit, ok, comme tu es parti avec elle là. Il est couché dedans. Ils ont versé des pelles de sable sur lui. Il est sorti. Il a fui. Il a vu que c'était sérieux. Tu vas rentrer, mais personne ne va aller avec toi. Les gens vont pleurer, mais tu vas partir seul. Vous voyez? La vraie vie nous attend au ciel. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi nous devons manifester la fraternité que le Seigneur nous demande ici-bas. De la manière qu'il a formé cette famille, Jésus revient. Le monde entier te regarde. Ta famille te regarde. Elle s'est dépouillée. On voit ce qu'elle va devenir. Bien-aimé, il faut que par toi, là, le Seigneur puisse gagner ta famille. Il faut que par toi, ta famille puisse venir à Jésus-Christ. Il faut que par toi, ta famille puisse voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour glorifier le roi d'Israël. Amen. Le Seigneur a dit que votre lumière luise parmi les hommes afin que les hommes voient les bonnes œuvres qui sont en vous et glorifier le Dieu d'Israël. Alléluia. Il faut que l'amour demeure dans ton cœur pour que lorsque le monde va voir l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a donné et que tu manifestes envers les bien-aimés, envers ta famille, là, ils puissent glorifier le Saint des Saints, ils puissent glorifier le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Ce monde est éphémère. On a une vie qui nous attend dans le royaume des cieux. On doit tout faire pour aller là-bas, bien-aimé. Il ne faut pas que tu restes ici à cause de la colère.
Il ne faut pas que tu restes ici à cause du manque d'amour. Il ne faut pas que tu restes ici à cause de quelque chose, bien-aimé. Lorsqu'on te demande, il faut te lever, tu vas louer Jésus-là. Il faut être fou pour lui. Il faut être folle pour lui. Tu vas oublier ta maladie lorsqu'il s'agit de louer Jésus. Tu vas oublier ta position lorsqu'il s'agit de louer Jésus. Oui. Oublie ça. Parce que ta position n'a pas de valeur devant Jésus. Le serviteur Jean que Dieu a utilisé là, que Jésus-Christ a utilisé, le Saint-Esprit a utilisé. Mais lorsqu'il a vu Jésus là, la Bible déclare qu'il tomba par terre. On ne peut pas le regarder. Lorsqu'il a vu Jésus, il a oublié la puissance que Dieu a mis en lui là. Il a oublié ça. Il n'a pas de valeur devant Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un seul de Dieu, sois chaud pour lui. Mais ici, dans l'église, lorsqu'il s'agit de louange, il faut prendre le micro, il faut crier. Toi, tu fais quoi sur les pages? Sors pour venir louer Jésus, bien-aimé. Pour adorer ton Dieu que tu es venu chercher, là, il faut qu'on te fasse pour ça. Ce n'est pas normal. Oh, c'est ce Dieu qui va te juger demain. Si tu ne fais pas quelque chose pour toucher son cœur, là, comment ta vie ou bien les œuvres peuvent parler en ta faveur? Tu veux que Dieu te délivre? Tu veux que Jésus t'accorde le Saint-Esprit, mais tu ne veux pas l'adorer. Mais tu ne veux pas passer plus de temps auprès de lui. Mais comment il va agir? Il ne peut pas. N'est-ce pas? C'est ça, non? Il ne peut pas. Bien-aimé, on doit revoir nos manières d'adorer le Seigneur. On doit revoir nos manières d'adorer le Seigneur. Il faut que on coule maintenant derrière les yeux d'en haut. On cherche le Seigneur de toutes nos forces. Il faut qu'on cherche véritablement Jésus-Christ. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. De la manière dont les démons travaillent. Bien-aimé, les temps sont vraiment, vraiment, vraiment finis. On n'a plus de temps à perdre. C'est pourquoi chaque seconde qui passe, c'est nécessaire. On ne doit pas s'amuser avec le temps qui passe. Ce temps qui coule, on ne doit pas s'amuser avec ce temps. On ne doit pas s'amuser avec ce temps. On doit prendre ce temps au sérieux. Quand il y a un jour de ténèbres qui vient. Je vais lire le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 14, verset 13 du moins. Il est écrit. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Gloire à Jésus. Amen. Donc, appelle à moi, il y a les œuvres qui suivent, c'est pas ça? Quelles seront tes œuvres? Quelles seront tes œuvres? On a un jour de ténèbres pour nous tous. Avant que l'âme quitte le corps, il y a d'abord une lutte entre les deux. Donc Dieu te laisse pas. L'autre Dieu te laisse pas. L'autre Dieu m'en fait. Il y a d'abord une lutte. Mais là, nous sommes tous nus. Là, l'homme n'a plus de force. Mais après, il faut que tes œuvres là te suivent. Quelles seront tes œuvres? Quelles seront tes œuvres? Le Seigneur te parle en ce jour. Jésus-Christ te parle en ce jour.
Quelles seront tes œuvres ces jours-là? Qu'as-tu fait de la vie que le Seigneur t'a donnée? Qu'as-tu fait de la force que le Seigneur t'a donnée? Plusieurs sont dans les morgues. Plusieurs sont dans les hôpitaux. Ils sont fatigués, ils sont sur le lit des hôpitaux. Ils sont fatigués. Là, ils ne désirent plus la nourriture, l'argent. Ils tiennent seulement que la santé. Mais toi, Dieu t'a donné gratuitement. Toi, tu as reçu cela gratuitement. Le jour où le Seigneur va te demander, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Quelles sont tes œuvres? Les œuvres qui vont parler en ta faveur demain, quelles seront tes œuvres, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Pose-toi la question. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir. Rétablir mon cœur brisé. Consoler mon âme et donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, établir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas demander au Seigneur qu'il vienne te donner de la force. Sur cette voix et toi, tu es resserré. Que le Seigneur vienne te donner de la force afin que tu puisses surmonter toutes les épreuves. Afin que tu puisses surmonter toutes les tentations, bien-aimés. Parce que cette voie est difficile à emprunter. Cette voie est remplie d'épines. Cette voie est remplie de lions qui dévorent. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, tu peux y arriver. Élève la voix. Je veux compter sur ta grâce. Élève la voix, bien-aimé. Je veux contempler tes œuvres. Élève la voix. Convainc. Élève la voix, bien-aimé. Que tu es. Élève la voix. Élève la voix. Il faut crier à Jésus, Jésus. Je sais. Il faut crier à Jésus, Jésus. Me guérir. Il faut crier à l'éternel des armées. Il faut prier à Jésus. Et dans les cas, devant la mort, nous sommes tous nus. Devant la mort, bien-aimés, nous sommes tous nus. Je sais. Et bien-aimés, devant la mort, tu n'as plus de parole. Devant la mort, tu n'as rien à dire. Devant la mort, tu ne diras pas. Attends, je vais aller sur le roi des enfants. Je vais aller sur le roi des parents. Mais bien-aimés, sur le l'éternel des armées. Il peut te délivrer, bien-aimés. Si réellement tu as servi les gens en vérité, si réellement tu as donné de tout ton cœur, ce jour-là, c'est lui seul qui peut te délivrer. Ce jour-là, c'est lui seul qui peut te délivrer de cela. C'est lui seul qui peut te délivrer. C'est lui seul qui peut te délivrer de cette chaîne. Jésus, soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi, oh Seigneur. Bien-aimé, expose ta vie à Jésus. Expose ta vie à Jésus. Tu peux me guérir. Expose ta vie à Jésus. Expose ta vie à Jésus, Jésus. Oh, l'éternel des armées. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Que
vie. Toi seul, Seigneur Jésus, tu connais ma vie. Toi seul, tu connais ma vie. Toi seul, Seigneur, tu sais ce qui ne va pas de ma vie. Et Seigneur, j'expose ma vie à toi. J'expose ma vie à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Corps, âme et esprit. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Lâchez mon équipe femelle. Ce mon père éternel n'est que mon divisoire. Oui, je veux la vraie vie sur toi. La vraie vie, c'est après la mort. Après Dieu, la vraie vie, Seigneur. C'est après la mort. C'est après la mort. C'est après la mort. C'est après la mort, Seigneur. Donne-moi de surmonter cette peur. Donne-moi de surmonter cette tentation. Oui, Seigneur, donne-moi de surmonter cette faiblesse. Donne-moi la force, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Oh, Seigneur Jésus. Je sais que tu peux me guérir. Soutiens tes enfants, Seigneur Jésus. Tu as brisé. Soutiens tes enfants, le rêve. Consoler mon âme. Soutiens tes enfants, le rêve. Jésus, soutiens-moi, ô Seigneur, par
Jésus. Bien-aimé, lève-toi puissamment et acclame le Seigneur Jésus. Et acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Jésus. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais couler ton sang sur moi. 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 Que ton sang lave mon corps. Que ton sang lave mon âme. Que ton sang lave mon cœur. Que ton sang lave mon esprit. Que ton sang lave mes pensées. Que ton sang lave mes lèvres. Que ton sang lave ma bouche. Que ton sang lave ma langue. Que ton sang lave ma langue. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Que ton sang lave mes yeux. 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 Fais couler ton sang sur moi. 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dans ton sang, dans ton sang, il y a la délivrance, il y a la délivrance, il y a la libération, il y a la libération, il y a la guérison, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la restauration. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dans ton sang, dans ton sang, il y a le miracle, il y a le miracle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang me restaure, 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 que ton sang brise, que ton sang brise. Le jour du péché, le jour du péché, que ton sang, que ton sang, décharge-moi, décharge-moi, que ton sang me décharge, 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 que tout fardeau, de tout fardeau, spirituel, spirituel, en physique, en physique, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang, me décharge, me décharge, que ton sang, me lave, de toute semence, de toute semence, de mari de nuit, de mari de nuit, de femme de nuit, de femme de nuit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que par ton sang, que par ton sang, que par ton sang, que je sois purifié, que je sois purifié, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang, que ton sang, brise le joug, brise le joug, de la malédiction qui pèse sur moi, qui pèse sur moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang, brise le joug, brise le joug, de la malédiction, la malédiction qui pèse sur moi, qui pèse sur moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang, brise, brise le joug, de la malédiction, de la malédiction ancestrale, ancestrale, Seigneur Jésus, que ton sang, brise, brise le joug, de la malédiction, de la malédiction ancestrale, ancestrale, viens dans ma famille, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare, que par ton sang, de la malédiction, s'arrête, s'arrête, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as versé sur ton sang, tu as versé ton sang, tu as versé ton sang, tu as versé ton sang, pour me racheter, de la malédiction, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la malédiction, qui pèse dans ma famille, qui pèse dans ma famille, fais pleuvoir ton sang, fais pleuvoir ton sang, sur ma vie, dans ma famille, Seigneur Jésus, fais pleuvoir ton sang, fais pleuvoir ton sang, dans ma famille, ainsi que sur ma vie, ainsi que sur ma vie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Seigneur, 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 mes parents, ils étaient dans l'impudicité, ils étaient dans l'impudicité, et ce lien, et ce lien, me suis jusqu'aujourd'hui, je suis jusqu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ma vie passée, ma vie passée, me rattrape de foi, me rattrape de foi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, même, même, en étant, dans ta maison, ma vie passée, me rattrape, Seigneur, 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 j'écris à toi, j'écris à toi, délivre-moi, 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 délivre-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais sortir mon âme du péché,
tu péchais. Tu as sorti mon âme. Tu as sorti mon âme. Tu péchais. Tu péchais. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ma parole déclare. Ma parole déclare. Celui qui pèche. Celui qui pèche. Il est du diable. Il est du diable. Seigneur. Seigneur. Je ne veux pas être. Je ne veux pas être. Une fille de la pétition. Un fils de la pétition. Un fils de la pétition. Il fait de la pollution. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Délivre-moi. Délivre-moi. Du péché. Du péché. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je ne plus tomber. Je ne plus tomber. Dans les mêmes choses. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis fatigué. 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 Mon âme est emprisonnée. Mon âme est emprisonnée. Mon âme est emprisonnée. Mon âme est emprisonnée. À cause du péché. À cause du péché. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Seigneur, délivre mon âme. Délivre-moi. Seigneur, délivre mon âme. 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang me restaure, 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 que ton sang me lave, que ton sang me lave, depuis la fontanelle, depuis la fontanelle, jusqu'à la pointe de mes pieds, jusqu'à la pointe de mes pieds, que ton sang me lave, que ton sang me lave, que ton sang me nettoie, que ton sang me nettoie. Que ton sang me nettoie. Que ton sang me nettoie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Rends-moi pur. Rends-moi pur. Que ton sang lave ma robe. Que ton sang lave ma robe. Que ton sang lave mon âme. Que ton sang lave mon âme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Que heureux. Que heureux. Ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. D'entrer par la porte de la ville. Et d'entrer par la porte. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mon désir, c'est de te voir un jour, c'est de te voir un jour, c'est de te louer un jour, c'est de te louer un jour, c'est de t'adorer un jour, c'est de t'adorer un jour, dans ton royaume, dans ton royaume. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pendant que tu me donnes la force, pendant que tu me donnes la force, pendant que tu me donnes la vie, pendant que tu me donnes la vie, nettoie-moi, nettoie-moi. Je me confie en toi, je me confie en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas étendre les mains. En signe de recevoir. Nous sommes maintenant à la fin. Alléluia. Amen. Étends les mains en signe de recevoir. Et ferme les yeux. Éternel, Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui encore, tu t'es glorifié. Et tu as uni tes enfants en ce lieu. Et tu as opéré tes délivrances, tes restaurations. Tu as fait monter à toi, Père, la louange, l'adoration, comme un parfum de bonne odeur. Papa, maintenant, ce moment tire à sa fin. Mais comme tu es le vrai serpent et que nous sommes les sarments, nous restons toujours en toi. Père éternel, daigne accompagner chacun de tes enfants à leur demeure respective. Prends le contrôle de chaque véhicule. Tiens le volant. Père, de même que tes fils et tes filles sont entrés dans ta présence avec une paix, de même que cette paix les accompagne jusqu'à la maison. Seigneur Jésus,
Je menace tout esprit qui va se lever contre leur sommeil, contre leur moment de repos, contre cette nuit même, leur moment de méditation. Nom de Jésus. Élie, nous sommes entre tes mains. Que ton feu nous embrase. Que ton feu nous environne. Et que partout nous posons le pied. Que ton feu, Seigneur, déborde. Père éternel, merci pour ce moment. Aiguise encore nos yeux afin qu'ils soient déployés et posés seulement sur l'espérance de notre salut que tu es. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le nom de Dieu. Alléluia.